C'était vu ici d'ailleurs, et il me semble qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis tout ce temps, et j'aimerais bien que vous nous en parliez un peu. Oui, depuis l'année dernière, ben, il s'est passé beaucoup de choses bien en fait. On est pris quasiment tous les week-ends jusqu'à fin 2014 pour des dates dans des clubs où on est invité. Et voilà, et l'événement évidemment de l'année qu'on prépare avec toute mon équipe internationale, c'est Cavaillon comme l'année dernière, qui va se passer le 19 et le 20 avril 2014. C'est bien, Pickleball, c'est bien. Merci. Cette année, donc, c'est une partie du Montana Country Show, qui est un groupe brésilien qui reviendra en France là, cette année à Cavaillon, et on est vraiment très content de les accueillir. Voilà. On a... Get together. Voilà. C'est possible après. On peut se. Ouais. Non, attendez-nous. Non, à deux minutes. Par pitié, attendez-nous. Allez-y. On peut.
David qui vous a inspiré au départ? Comment vous est venue cette envie de danser de cette façon? Vas-y, Marie. Non, vas-y, je te laisse. On parle de David. Oui, c'est ça. C'est notre Dieu. Bah, c'est lui qui. C'est grâce à lui qu'on a découvert les premières chorégraphies catalanes, c'est ça? Country Boy et. Non, mais à Michel. Tiens, la Michel. Ah, c'est vrai que David, les premières chorés qu'on a, enfin, qu'on a vues de ce style-là, c'est vrai que c'est David qu'on a vu sur Internet. Et après, nous, chez nous en France, ça a été Jean-Luc parce qu'on a vu que lui était passionné par ça et il nous a transmis cette envie. Et après, c'est vrai que nous, on a participé aussi à ça et c'est vrai que c'est qu'un plaisir, quoi, parce qu'on voit que tous les gens qui dansent le catalan, ils se régalent, quoi. Ils se font plaisir et on c'est vrai que c'est un style de danse. On est dans l'échange et voilà. Se conformer à des contraintes qui sont imposées par des gens qui vont se sentir posséder un pouvoir. Non, le pouvoir, c'est celui des danseurs, c'est celui du plaisir avant tout. Cette liberté dont tu parles, c'est une liberté de style. Une liberté de style et aussi une liberté de création. Ben, peut-être vous allez nous dire les mots de la fête. Le style catalan, c'est un style de danse qui c'est la danse country pour nous, qui a simplement évolué et qui est devenue extrêmement libre. Et c'est la raison pour laquelle je suis tout à fait d'accord avec Manu. La danse, ça doit rester un art, ça doit rester quelque chose qui n'a pas de contraintes, qui n'a pas de limites. On est là pour se faire plaisir et on a envie de montrer ça aux gens. Voilà. Rendez-vous le 19 et le 20 avril avec Chang. Avec Chang, oui. Et Vladimir. Et Joséphine Larousse. À Cavaillon, aux mines de Cavaillon, le 19 et le 20 avril. Voilà. Vous avez toutes les informations sur notre site internet. Merci, Pickleball. Bonjour, Christine. Nous sommes ravis d'assister à ton événement. L'an dernier, déjà, nous étions présents. Je souhaiterais que tu nous parles un petit peu de ce week-end. Comment s'est-il déroulé? Bah écoutez, pour la deuxième édition, j'étais très très contente. C'est un grand grand succès. Beaucoup de danseurs étaient présents pour le work, donc l'apprentissage des danses catalanes. Donc ça, c'est un bon point. Plus que l'année dernière. Donc voilà, ça prouve que c'est un style qui plaît de plus en plus. Et puis, on a suivi cette journée par une présentation, un show, et puis après le bal. Et on recommence la même chose le dimanche. Donc c'était très bien suivi. Beaucoup de plaisir et de part et d'autre. Tous les tubes d'hier à aujourd'hui sur une seule radio. WSU.